Stop acting so small, because you are the universe in ecstatic motion. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Donc, je suis Victoire Aubonnet, Head of Strategy and Operations chez Gens de Confiance. Alors, vous êtes assez nombreux à nous connaître, Gens de Confiance, mais pour récapituler très rapidement, on est un site de petites annonces généralistes créé il y a près de 10 ans avec un pari complètement fou d'en finir avec les arnaques et avec les autres déconvenus. Alors, pour ça, on a trois secrets. Un, pour voir une annonce, répondre ou publier une annonce, il faut être membre de Gens de Confiance et pour ça, il faut être parrainé par au moins 3 personnes. 2, toutes nos annonces, elles sont revues et modérées par notre équipe annonce à Nantes. Et 3, si jamais il y a un comportement déviant, le bannissement peut être envisagé. Je vous rassure, ça arrive très peu. Alors concrètement, sur Gens de Confiance, on trouve beaucoup de choses, de l'immobilier, des appartements, des maisons, à la vente ou à la location. Des locations saisonnières, avis à ceux qui n'ont pas encore trouvé pour cet été. On trouve des services à la personne, babysitting, petits cours de soutien, etc. Et on trouve aussi des objets d'occasion, que ce soit une voiture, un vélo ou des objets du quotidien. Gens de Confiance, donc, ça a été créé en 2014. Aujourd'hui, on a 1,6 million de membres. On a plus de 150 000 annonces live, dont plus de 60% sont en exclusivité. Et on est une des plus grosses boîtes tech à Nantes, puisqu'on a 80 collaborateurs, la plupart à Nantes, et une dizaine en remote. Aujourd'hui, on a une quinzaine de postes ouverts. Alors moi, j'ai rejoint Gens de Confiance il y a un peu plus d'un an, donc avec ce poste sur la stratégie. Et mon premier objectif, c'était de retravailler sur la stratégie de Gens de Confiance. Et pour ça, je me suis appuyée sur The Advantage de Patrick Lencioni. Alors Patrick Lencioni, ce qu'il dit, c'est les entreprises performantes sont hyper claires sur ces 6 questions et elles sont capables de le communiquer de manière très claire. Alors, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'était notre parcours sur cette première question. Why do we exist? La raison d'être. Alors, pourquoi la première? J'ai répondu aux 5 autres. Mais néanmoins, la première, c'est la plus difficile. Et une fois qu'on a craqué cette première question, c'est beaucoup plus facile de répondre aux 5 autres. Alors, me voilà à la tête de ce chantier, de retravailler sur la raison d'être de Gens de Confiance. Alors, bonne ancienne consultante, qu'est-ce que je fais? Je fais un benchmark. Et je vais aller regarder dans le paysage corporate français quelles sont les raisons d'être des entreprises qui nous entourent. Alors, on va faire un petit jeu, si vous êtes d'accord. Je vais vous donner des raisons d'être et vous allez me dire à quelle entreprise elles font référence. Est-ce que vous êtes prêts? OK. On y va. Créer la beauté qui fait avancer le monde. Ouais, j'ai entendu. L'Oréal, bravo. Vous êtes très fort. Inspirer et développer les constructeurs de demain. Lego, waouh, super fort. Je croyais qu'elle était plus dure celle-là. OK. Répondre durablement aux grands défis actuels tout en apportant le progrès dans la vie quotidienne. Ça commence à froncer les sourcils. Nous sommes au service de nos clients et du monde dans lequel nous vivons. Pas facile. Alors ouais, c'est délicat. Une raison d'être qui soit reconnaissable. C'est délicat. Et en plus, moi, ma première hypothèse, j'arrive, je dois faire la raison d'être pour Gens de Confiance, je me dis, je vais faire un truc avec confiance. Et bien, il y a quand même 2 groupes du CAC 40 qui nous ont piqué ce créneau. Alors là, j'avais un sentiment assez ambivalent. En fait, ça donne quand même les étoiles plein les yeux, toutes ces raisons d'être. Et à la fois, en avoir une reconnaissable, c'est assez difficile.
J'ai pas peur, on y va, on se lance dans ce chantier. On a voulu avoir, nous aussi, notre raison d'être, notre jolie raison d'être. Donc la méthodologie classique de Discovery, on réunit une équipe pluridisciplinaire, donc avec des membres de l'entreprise, donc un cofondateur, Nicolas, une collaboratrice du service client, Morgane, un développeur, Guillaume, côté marketing, Zach. Et puis ça y est, on y va, on travaille ensemble sur notre raison d'être. Grand classique, encore une fois, on va faire du quali et du quanti. Plus de 20 entretiens, des entretiens avec des collaborateurs historiques, nos investisseurs, les cofondateurs, évidemment, et surtout nos membres, parce que chez Gens de Confiance, on ne parle pas de clients, mais on parle de membres. On couple ça à du quanti. Donc, on administre un questionnaire auprès de tous nos collaborateurs pour avoir de la data, des points factuels. Alors voilà, on s'imprègne de toute cette matière, on la digère et on commence à prendre le stylo, inspiré par les raisons d'être du benchmark, et on l'écrit. La voici. Créer les liens humains, construire le monde de demain. On trouvait ça pas mal. En plus, moi, j'aime bien la poésie. Créer les liens humains, 6. Construire le monde de demain, 7, 8 pieds, ça dépend de comment tu comptes. On était quasiment à l'alexandrin. On était fiers. Pour nous, c'était... toute l'équipe, là, on s'est dit, ça y est. Parce que créer les liens humains, pour une boîte qui se construit tel un réseau social de proche en proche, l'image est quand même super parlante. Et construire le monde de demain, bah, c'est aspirationnel. Qui ne veut pas construire le monde de demain? Donc là, l'équipe pluridisciplinaire Purpose, de raison d'être, on s'apprête à la présenter aux collaborateurs de l'entreprise. Et c'est vrai qu'on est fiers, quoi. On s'attend à ça. Puis on est 80, donc on s'attend à ce que 80 personnes se lèvent et applaudissent, quoi. Standing ovation. Et là, on la présente. Et la réaction, bah, c'est plutôt ça. Ouais. Cool. Alors pourquoi? Bah, un, c'était assez décorrélé de leur quotidien. Pas ça qui les fait se lever le matin. Et deux, bah, c'était pas hyper singulier. En fait, le moment de vérité, c'est quand on s'est rendu compte que cette raison d'être, elle marchait très très bien avec une autre boîte qui aime bien les liens humains. Secours Populaire, par exemple. Ou encore Tinder. Mais là, on s'est dit, bah non, on n'y est pas tout à fait. C'est pas tout à fait satisfaisant. Alors, bah forcément, ancienne première de classe, moi, j'étais un peu déçue, quoi. Je me dis, bah là, j'ai pas réussi, mais néanmoins, c'est toujours l'occasion aussi, on se dit en start-up, faut tester, on apprend, et donc on recommence, c'est pas grave. On se replonge dans qu'est-ce qu'une bonne raison d'être. Donc une bonne raison d'être, c'est finalement la raison pour laquelle, la raison profonde pour laquelle une entreprise existe et qui la pousse à agir. C'est ce que les Américains appellent le « purpose ». Et là, c'est vraiment l'intersection entre deux cercles, entre le cercle de l'identité, nos forces authentiques et distinctives, et le deuxième cercle, les besoins du monde, le rôle que nous, on peut jouer dans la société. Et finalement, si je reprends ma raison d'être initiale, on s'était concentré sur le premier cercle, qui on est, créer des liens humains. Et on s'était assez peu concentré sur le cercle de droite. Pourquoi est-ce qu'on agit? Les besoins du monde. Donc c'est pour ça que je propose de faire un petit twist et de parler de raison d'être à raison d'agir, pour vraiment penser à cette partie droite qui est corrélée à un contexte, à des besoins concrets. Alors si parmi vous, vous avez des raisons d'être ou vous êtes en train de réfléchir à des raisons d'être, ce que je vous suggère là, hein, c'est de l'écrire dans un petit cahier ou sur votre téléphone et d'essayer de les remettre en question au fur et à mesure des diapos suivantes. Alors nous, concrètement, on s'est rendu compte que notre raison d'être, qui n'était donc pas suffisamment une raison d'agir, on n'avait pas assez creusé notre singularité sur un certain nombre de points. Un, le fait d'être une boîte tech. Le fait d'être une boîte tech, qu'est-ce que ça change dans notre manière d'être et dans notre manière d'agir? Et justement, de ne pas être le secours populaire. Deuxièmement, le fait de s'appeler Gens de Confiance et pas Tinder. Qu'est-ce que ça change dans notre manière d'être et dans notre manière d'agir? Et enfin, l'impact, ce cercle de droite. Quels sont les besoins de la société actuelle et quels sont les besoins sur lesquels on pense pouvoir avoir une action?
Et typiquement, si le monde actuel voilà, ne souffrait pas d'urgence climatique ou d'un tel isolement social, notre raison d'agir, elle aurait pu être complètement différente. Donc voilà, on s'est réimprégné de cette singularité sur ces trois aspects notamment, et on a repris le stylo pour écrire notre raison d'agir. Alors là, voilà. Nous déployons le meilleur de la tech au service du bien commun. Nous recréons des liens vrais pour permettre à des millions de personnes de construire un monde plus solidaire et plus durable. Alors, le meilleur de la tech, on est une boîte tech. Donc, on a envie de se saisir des innovations technologiques. Mais ce n'est pas la tech pour la tech. C'est la tech au service du bien commun, au service de nos membres. Nous recréons des liens vrais. Alors, gens de confiance, je vous ai dit au début, on est un site de petites annonces généralistes, mais on est aussi un réseau social, étant donné que les personnes se parrainent les unes les autres, qu'il y a des groupes, qu'il y a une messagerie. On est un vrai réseau social. Et pour ça, on est quand même un peu à contre-courant des autres réseaux sociaux, puisque sur gens de confiance, il faut une vraie photo, un vrai prénom, un vrai nom. Et quand on parraine quelqu'un, on qualifie le lien de parrainage. Alors, on a des liens qui sont assez exotiques, mais néanmoins, c'est des liens vrais. On sait, un tel, c'est mon frère, mon ami, mon collègue, etc. Et de construire un monde plus solidaire et plus durable, on s'est interrogé sur la notion justement de durabilité, donc dans son aspect économique, social et environnemental. Alors, je vous ai parlé du coup de ce pas de côté vers une raison d'agir qui est plus complexe, plus concrète. Ce n'est pas tout à fait un slogan. Et néanmoins, c'est un super outil pour définir une stratégie, avoir une aide à la décision et mieux collaborer en équipe. Alors, la stratégie, je vous ai dit, notre raison d'être, elle est en trois temps. Quand on a travaillé sur notre roadmap stratégique à horizon 18 mois, on a justement repris notre raison d'agir et on l'a séparée en trois, donc le meilleur de la tech au service du bien commun. Et on a créé des chantiers stratégiques, ce sont les chantiers TBC. Donc on a TBC 1, TBC 2, TBC 3, TBC 4. Alors ça peut paraître assez anecdotique, mais néanmoins, ça nous permet au quotidien de nous rappeler qu'on est en train de faire une stratégie qui est liée à cette raison d'agir. Alors, je ne vais pas tous vous les donner, mais par exemple, un chantier TBC, il est autour d'utiliser des pilotes avec de l'IA au service de nos membres et de nos équipes. On a des chantiers LV, lien vrai. Vous imaginez qu'il y a des chantiers LV sur les RH en interne. Comment est-ce qu'on a des liens vrais entre les collaborateurs dans leurs moments clés de leur expérience chez gens de confiance, donc par exemple l'onboarding, l'arrivée d'un collaborateur, l'offboarding, quand il nous quitte, les séminaires, les moments de formation. Et on a des chantiers élevés sur les membres entre eux. Comment est-ce qu'on s'assure que notre produit soit au service des liens vrais entre les membres et qui véhicule justement notre conviction forte que une transaction entre deux personnes, c'est super, c'est important, mais finalement le lien entre ces deux personnes, pour nous, c'est encore plus important que la transaction. Et ensuite, on a des chantiers MSD autour d'un monde plus solidaire et plus durable. Je pense notamment au lancement de Quartier de Confiance, qui est donc en bêta-test aujourd'hui à Nantes, qui est donc une feature qui permet aux 200 voisins les plus proches de s'entraider, de se prêter des objets, de se rendre service, avec justement la proximité géographique qui est très utile et sur laquelle on n'a pas de business model. On est très clair qu'on incarne notre raison d'être lorsqu'on déploie ce type de feature. Donc, avis aux Nantais, je vous encourage à tester. Deuxièmement, donc on a parlé de la raison d'agir comme outil stratégique. La raison d'agir, c'est aussi un formidable outil en termes d'aide à la décision. Alors, c'est ce qu'on appelle une heuristique. Donc, c'est un modèle mental quotidien qui permet en fait, d'être invoqué, d'être sollicité au moment où on a des débats assez riches. Alors, par exemple, nous, sur la verticale location de vacances, on se pose toujours la question de dans quelle mesure on laisse un propriétaire et un locataire se parler ensemble, potentiellement en dehors de notre plateforme, avant d'avoir finalisé une réservation. On sait que nos concurrents sont vent debout contre ça. Ben, nous, on réinvoque notre raison d'être et on se dit, OK, ben, en fait,
nous, si, on veut le faire, parce qu'on dit qu'on veut des liens vrais. Donc si c'est important pour un propriétaire et pour un locataire d'échanger avant de finaliser une réservation, eh bien oui, on le fait. Et enfin, cette raison d'agir, on est allé assez loin, parce qu'on l'a aussi utilisée comme outil de leadership en travaillant sur la raison d'agir individuelle. Encore une fois, cette raison d'agir, c'est donc l'intersection entre deux cercles, la meilleure contribution et au service du collectif. Et donc là, au sein de notre équipe de direction, on est allé travailler sur nos zones de génie, à titre personnel. Je fais un petit pas de côté sur les zones d'excellence et les zones de génie, pour ceux qui ne connaissent pas. Une zone d'excellence, c'est une zone dans laquelle on excelle, à titre professionnel. Ça porte bien son nom. Mais néanmoins, c'est une zone dans laquelle ça nous demande beaucoup d'efforts, ça nous draine de l'énergie. À la différence d'une zone de génie. Non seulement on excelle, mais en plus, ça nous revitalise, ça nous donne de l'énergie, on prend du plaisir. En fait, c'est ces moments où on ne voit pas le temps passer. Et donc, on est allé travailler, chacun des membres de l'équipe de direction, sur quelle est notre zone de génie. Ces moments où vraiment on apporte notre meilleure contribution. Et on est allé travailler sur des exemples dans notre vie professionnelle comme dans notre vie personnelle. Alors, un moyen tout simple de le faire sur la vie pro, c'est vous prenez votre agenda des deux dernières semaines et vous l'imprimez. Alors c'est bien, vous avez toutes les réunions qui figurent. C'est bien aussi de mettre les moments de trou où vous avez travaillé. Qu'est-ce que vous avez fait? Là, j'ai écrit un pitch, là, j'ai débugué telle chose, etc. Et après, vous prenez des stabilos, trois couleurs, vert, rouge, jaune, orange, et vous mettez, OK, est-ce que là, ça m'a drainé de l'énergie ou est-ce qu'au contraire, là, ça m'en a donné? Et ça vous permet de voir, en fait, si vous êtes dans votre zone de génie ou dans votre zone d'excellence. Et ça permet de voir justement si vous êtes à la bonne place. Alors je vais vous donner des exemples de raisons d'agir individuelles au sein de notre équipe de direction. Donc la première, c'est la suivante. Je fais confiance à mes intuitions pour projeter le collectif et permettre à chacun de vivre une belle aventure à un haut niveau d'énergie. Donc là, clairement, c'est la raison d'agir de notre CEO. C'est celle de quelqu'un qui aime fédérer, avoir une vision et fédérer autour de lui pour incarner cette vision. Deuxième raison d'être, j'entreprends et je crée, hors des sentiers battus, des solutions originales et astucieuses qui contribuent au bien commun. Là, clairement, c'est la raison d'agir d'un créateur, d'un entrepreneur, qui s'épanouit dans des projets naissants, dans des projets émergents. Et enfin, je mobilise mon fort niveau d'énergie pour challenger le statu quo et rendre possible des projets novateurs ou en apparence impossibles dans une logique de croissance. Donc là, on est sur la raison d'agir de notre CTO. Qu'est-ce qu'il aime? C'est des projets difficiles et il aime mettre les mains dans le cambouis, se frotter à la difficulté avec toujours cette perspective de la scalability, du passage à l'échelle de l'entreprise. Pour conclure, on a parlé au début de raison d'être, donc des belles phrases, des beaux slogans, bien inspirationnels, et on a fait ce pas de côté vers la raison d'agir, plus complexe, plus dense, mais plus concrète. Et cette raison d'agir, c'est un formidable outil pour la stratégie, mais aussi pour le leadership. C'est un outil qui sert à réfléchir, parce que forcément, on se pose toujours des questions pour l'écrire. Quand on a une nouvelle idée, on se dit « Ok, est-ce que ça correspond à ma raison d'agir ?» Alors, soit ce n'est pas une bonne idée, soit c'est que ma raison d'agir elle n'est pas bien formulée. Mais voilà, c'est un outil qui sert à tout le temps se poser des questions. Ça sert aussi à s'aligner, à aligner toutes les énergies vers un objectif commun. Et puis, ça sert à communiquer. Mais là, effectivement, pour ça, la raison d'agir, vous l'avez vu, c'est un peu long, c'est un peu complexe, on a du mal à la retenir. Donc, ce n'est pas le meilleur outil. Alors, du coup, on a formulé, une fois qu'on avait cette raison d'agir, une nouvelle raison d'être, plus aspirationnelle. Et la voici. La confiance comme moteur, l'entraide comme mission, la tech comme solution. Alors, comme vous voyez, on a quitté l'alexandrin pour passer au rythme ternaire. Alors, merci beaucoup. Alors, moi, dans ma raison d'agir personnelle, il y a cette notion d'aider
les autres à atteindre leur plein potentiel et d'aider à formaliser des choses qui sont très complexes. Donc si depuis tout à l'heure, vous êtes en train de vous triturer avec votre propre raison d'être ou raison d'agir, ben, n'hésitez pas à m'écrire parce que je serais ravie de pouvoir échanger avec vous à ce sujet.